Est-ce... Je pense que c'est bon, on est en direct. Waouh! Donc là, on est sur de la. Bonsoir, les autoroutes de l'information. Bonsoir, le chat. Bienvenue dans ce petit direct absolument improvisé. Oui, c'est bon, on est en direct. Quelle belle journée! Meilleurs vœux, bonne année à toutes et à tous. C'était une belle journée placée sous le signe de la pluie, en tout cas. Pour nous, les pauvres Parisiens. Et en rentrant, j'ai donc là, je suis chez moi cette fois, et j'ai eu l'idée de me dire de faire une petite exploration de bibliothèque. Bonsoir, Mélicris, merci de nous rejoindre. Voilà, j'ai pris la pluie aujourd'hui, donc on est sur un. Bonsoir, Dominique Sona. Merci de nous rejoindre. Oui, donc nous allons être sur une exploration de bibliothèque. Donc j'en ai pris, j'ai fait des trous partout. Des petits trous partout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et ouais, il y a une quarantaine de bouquins autour de moi. L'idée est de passer une petite demi-heure, une petite heure ensemble. Là, bah, je sais pas, moi, vous donner des envies de lecture, écouter les vôtres. Soumettez-moi vos envies de lecture et soumettez-moi vos. Ou réagissez à ce que je vous montre, tout simplement. Peut-être que. Merci à Arnorien, merci beaucoup, bienvenue parmi nous. Voilà, on va explorer de la bibliothèque, on va explorer des livres comme ça que j'ai pris. Il y a des catalogues d'exposition, il y a des mangas, il y a des romans graphiques, il y a des romans, il y a des essais. Il n'y a aucune catégorisation, j'ai vraiment tout pris dans ma bibliothèque, j'ai mis ça sur mon bureau. Puis on va explorer ça ensemble tout de suite, on va pas. Tergiversé. Conseil manga, bah, il y en aura, mais je suis aussi preneur de toutes vos recommandations lecture. On va en avoir besoin, mes amis, je pense, très bientôt. Dans le chat, balancez comme ça vos recos ou ce que vous lisez en ce moment. Moi, je serais ravi d'avoir vos recommandations également ou tout simplement échanger sur ce que vous lisez. C'est un peu le club lecture ce soir. Voilà. Et merci aux 7 personnes qui sont là. C'est vrai que j'ai un peu annoncé ça il y a 1 heure, donc vous êtes les bienvenus. J'ai acheté cette année, je crois, une vie à vendre. Vie à vendre de Yukio Mishima. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler ou si vous l'avez lu. Qui est un homme, en fait, qui tente de se suicider, je crois, qui rate sa tentative de suicide. Et qui. Complètement dépourvu, finalement, prise au dépourvu, va vendre sa vie au plus offrant, c'est-à-dire que il va tout simplement, je laisse ici, c'est aux éditions Gallimard, NRF, qui va tout simplement offrir sa vie à n'importe qui, à n'importe quel prix, et suite à cela va se suivre bien plein de péripéties, bien évidemment, puisque vous doutez bien que quand quelqu'un achète votre vie, en général, bon, c'est pas pour la compagnie faire ses courses. Au-delà de ça, il y a une espèce de. Comment dire, dans ce roman, quelque chose qui transparaît sur une espèce de désillusion de la vie et un désir de vivre vraiment la vie dans toute son intensité. C'est un peu difficile en ce moment de vivre sa vie dans toute son intensité, mais en tout cas, c'est quelque chose qui transparaît dans ce roman que j'ai beaucoup aimé, que je vous recommande. Ah oui, il n'y a aucune sponsorisation ou aucun placement de produit dans cette vidéo. Je ne suis pas encore à ce stade-là et c'est pas pour. Tout de suite. Donc voilà, Yukio Mishima, une vie à vendre. Vie à vendre, pardon. J'ai beaucoup aimé, ça se lit très rapidement, et puis bon, c'est parfois très incisif. J'ai beaucoup aimé. En tout cas, on a besoin un petit peu de sortir de cette monotonie et d'être confronté à ces personnages qui, dans un certain esprit, n'ont plus rien à perdre et offrent leur vie. Bonsoir aux personnes qui rejoignent cette vidéo. Merci d'être parmi nous. Voilà, Vie à vendre de Yukio Mishima. J'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, j'ai acheté récemment et je suis en train de le lire parce que je fais du slow reading pour celui-ci. C'est-à-dire que je lis vraiment les pages, mais je peux passer 1 minute par page. C'est Nagasaki, alors de Agnès Eustache, mais qui reprend le livre d'Eric Fey, qui s'est inspiré. Est-ce que vous l'avez ici? Vous l'avez dans le chat, voilà, hop. Donc on est aux éditions Lézard Noir. Il y aura beaucoup de Lézard Noir ce soir. J'aime beaucoup ce que vous faites, le Lézard Noir, comme on dit. Un très beau roman graphique. Je peux vous montrer peut-être quelques pages sans trop spoil en fait. Donc on reprend. Il y a quand même pas mal de textes parce qu'on reprend le livre. Ah.
On reprend le livre d'Eric Fey qui reprend un fait divers japonais. Alors je ne crois pas que ça se soit passé à Nagasaki, mais c'est une personne qui s'est rendu compte qu'une personne vivait chez elle, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte en installant des caméras ou en constatant tout simplement les rations de son garde-manger. Bonsoir Air Feban Club, merci pour l'abonnement, merci beaucoup et bienvenue parmi nous. Nagasaki, donc, une personne donc au Japon, je crois pas que ça se passe à Nagasaki, mais en tout cas dans le roman ça se passe, qui se réalise que une personne vit chez elle, tout simplement, un peu à la manière, vous l'avez peut-être vu, Parasite, primé aux Oscars, qui se rend compte en regardant son garde-manger que les rations de nourriture disparaissent, et ces deux vies comme ça, de deux personnes qui cohabitent sans se voir, c'est un peu glaçant. Les dessins sont, enfin, il y a de très beaux aplats de couleurs. Il y a une alternance de formats parfois pleine page, où vous avez par exemple les représentations d'un intérieur japonais. Mais l'écrit, voilà, donc on n'est pas vraiment dans un manga, on est plus dans un roman graphique. Il y aura des mangas, mais c'est pas quelque chose de très. Je vais pas révolutionner la formule, hein. Il y aura du Akira, il y a du Dr. Slump, je crois, du Galaxy Express. Bon, en tout cas, Nagasaki qui est sorti cette année, je crois, aux éditions Lézard Noir. N'hésitez pas à faire un tour sur le site des éditions du Lézard Noir qui propose des choses formidables. Bon, alors ça, j'avais vu le film, mais j'avais jamais lu les mangas dans leur intégralité, donc. Akira, c'est incroyable. Enfin, vous lisez ça, le souffle coupé, vraiment. Et enfin, chaque case de ce manga donc est un plan de cinéma en fait. Enfin, c'est bon, je ne vais pas faire l'apologie d'Akira. Hein, c'est absolument incroyable. Et vous lisez ça, le souffle haletant, coupé. Voilà pour Akira. Dans la liste. Top Nagasaki Curieuse. Ben oui, je t'encourage vraiment à te le procurer, Mélicris. Sinon, il y a aussi le roman donc d'Eric Fay. Mais tu peux le découvrir à travers le roman graphique de Agnès Eustache. J'ai acheté William Shakespeare de Victor Hugo. C'est un beau bébé. Hein, qui est. Alors, ça devait être à la base un texte sur William Shakespeare. Et au final, c'est. C'est. Comment dire? C'est. Alors, comment on traduit la. Ouais, voilà, un traité sur le génie, sur la création. Enfin, c'est vraiment très, très inspirant. Ça se lit peut-être pas d'une traite. C'est assez compliqué parce que vous avez parfois des passages sur Shakespeare, parfois des passages qui traitent au génie, à la création. C'est extrêmement inspirant. Peut-être dans un premier temps, voir quelques citations et puis après se plonger dans le texte. Je l'ai feuilleté, j'ai parcouru pour l'instant. Le focus ne se fait pas. Voilà. Et il y a certaines phrases qui m'ont vraiment retourné, mais littéralement. Akira, j'ai peur que ce soit trop violent, c'est une petite chose. Ça va. En tout cas, dans ce que j'ai lu, ça va. Bon, en fait, Mélicris, par rapport à Akira, c'est vraiment l'ambiance pesante, un petit peu anxiogène, un petit peu peut-être post-apocalyptique. Ou en tout cas ce futur proche et lointain qui peut être perturbant, c'est violent, mais j'ai pas vu non plus de la violence graphique avec des crânes explosés en pleine page. Je reste sur le lézard noir puisque j'étais dessus sur Nagasaki. Bonsoir aux 15 spectateurs qui sont là, ça me fera vraiment plaisir pour quelque chose de complètement improvisé. Parce que j'ai vu que le lézard noir. J'ai vu sur le site du Lézard Noir, pardon, que ce livre était épuisé. Mangalopolis, la ville japonaise contemporaine dans le manga. J'ai adoré, mais vraiment, 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 vraiment. Donc c'est toute la représentation de la ville dans les mangas, que ce soit à la fois dans, bah, finalement, quel rôle peut avoir la ville dans la narration. La ville peut être elle-même objet de narration, voire même personnage. Jusqu'aux représentations graphiques. Je vais peut-être vous montrer quelques planches, puisqu'on a quelques essais, et puis ensuite on a des pages, enfin des auteurs et des autrices qui sont traités au cas par cas. Voilà, vous avez la ville comme personnage, regard d'auteur par exemple. Ah,
Kaneko Nananan. J'aimerais énormément lire ce manga et il faut que je me le procure. Mais vous voyez, oups, pardon pour le son. Avec des représentations de la ville, là, on est vraiment sur la ville dans son expression la plus simple. Vous avez une habitation japonaise qui est représentée par littéralement 6 lignes, quoi. C'est magnifique. Je me demande si ce livre ne fait pas écho à une exposition qui a eu lieu quelque part. Oui, exact. C'est un livre qui a été édité à l'occasion de l'exposition Manga Police, la ville japonaise contemporaine dans le manga, à la maison de l'architecture de Poitou-Charentes. Alors, je ne sais pas si ce livre est encore disponible, mais en tout cas, vraiment, 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 j'ai adoré à la fois le lire et le contempler. C'est belle recommandation. Voilà. J'ai plus de place. On m'a offert récemment, et je remercie une personne qui sera peut-être dans le chat, deux livres aux éditions du Typhon, qui sont La mort à Rome, pardon, La mort à Rome et Billy le menteur, qui se passent respectivement à Rome et à Londres. C'est une très 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 belle maison d'édition qui m'a vraiment donné envie de parcourir les autres textes édités, mais je n'ai pas commencé les livres. Mais si ça peut vous faire découvrir cette maison d'édition, les éditions du Typhon, allez-y, ce sont de très 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 beaux ouvrages et c'est sur ma table de chevet. Et j'ai plus de place. Bon. Pardon pour ce petit intermède rangement. Voilà. Alors attendez, on va essayer d'alterner parce que j'ai pas mal de choses relatives au Japon encore. Là aussi, en fait, oui, beaucoup. Allez, on va parler Beaux-Arts. Tada! Une lutte moderne de Delacroix à nos jours. Moi, c'est une de mes peintures préférées, l'histoire de l'art, la lutte de Jacob contre l'ange, d'Eugène Delacroix, que vous trouvez dans l'église Saint-Sulpice à Paris. Et que dire si ce n'est l'une des plus belles peintures de l'histoire de l'art, en tout cas du 19e siècle. Et toute la genèse qu'il y a autour de cette fresque, c'est littéralement la vie de Delacroix en fait qui transparaît, ou en tout cas les dernières années de la vie de Jeanne Delacroix qui transparaît dans cette peinture. Les fresques de l'église Saint-Sulpice qui ont été réalisées, enfin en tout cas de la chapelle. D'une des chapelles qui a été réalisée par Eugène Delacroix, ça a été un véritable calvaire, c'est-à-dire qu'il a réalisé ça en plein hiver, c'était humide, les peintures ne séchaient pas. Il y a littéralement là l'artiste qui se représente un petit peu dans son effort et dans la lutte contre l'ange. Et c'est sur toute la genèse de cette œuvre et surtout l'étape de restauration qu'il y a eu dans l'église Saint-Sulpice. Je ne sais pas qui édite ça. Ah, c'est les éditions, bah oui, du Musée national Eugène Delacroix. Louvre Édition et Le Passage. C'est un très 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 bel ouvrage, vraiment avec toute une partie de catalogue, avec ce qui peut entrer en résonance avec ces peintures-là et toutes les inspirations. C'est vraiment un très très bel ouvrage. Voilà, en tout cas, à défaut de vous procurer l'ouvrage, vous pouvez aussi vous rendre donc dans cette chapelle à Saint-Sulpice à Paris. Comme les musées sont fermés, je crois qu'il nous reste les églises pour voir quelques peintures. Alors, je me suis lancé dans l'entreprise de lire 1000, non même pas 1300 pages, attendez, ah si, à peu près 1300 pages des mythes grecs par Robert Graves. Et donc on va de la création de l'univers jusqu'à la naissance des dieux, jusqu'à la guerre de Troie, jusqu'à l'épopée d'Ulysse. C'est dans un monde aujourd'hui, enfin la mythologie grecque, ça a été un peu mon échappatoire pendant cette fin d'année, cette seconde période de confinement. J'ai vraiment cherché quelque chose qui, à la fois dans l'espace et dans le temps, nous déconnectait littéralement. Et quoi de mieux que la mythologie grecque? C'est un peu une source d'inspiration infinie dans l'histoire des arts. Ce qui est intéressant dans le. Alors, vous ne lisez pas comme ça forcément d'une traite, vous pouvez piocher dedans parce que c'est quand même assez lourd. Et vous avez ce qui est très intéressant dans ce livre donc de Robert Graves, aux éditions Le Livre de Poche, c'est que vous avez à la fois donc la description du mythe et après
différents niveaux de lecture par les différentes écritures, parce que bien évidemment les mythes grecs sont issus de textes et de récits pluriels, et c'est difficile d'avoir une seule et même version d'un mythe qui parfois évolue à travers même des siècles. Donc c'est très très intéressant. Il y a Arte qui a fait sinon une très très bonne série sur les mythes grecs, je vous la recommande, à défaut de lire Robert Graves en tout cas. Les mythes grecs, ça a été un très bel échappatoire et ça l'est toujours pendant ces périodes de confinement. Quoi d'autre? Alors attendez. Je m'y perds. En fait, j'ai pris beaucoup de Japon, je me rends compte. Combini de Sayaka Murata. Ça fait un petit moment que je l'ai lu, je n'ai pas de souvenir très précis, si ce n'est que là aussi, vous avez un. Bon, le Combini au Japon, c'est vraiment cet îlot de lumière dans la ville, ouvert 24h sur 24, qui église meilleur plan culture l'année 2020 et début 2021, Mélicris, oui, tout à fait, et ça le sera un petit moment encore, donc si tu as des églises à proximité, c'est effectivement le meilleur plan, je pense. Est-ce que vous avez des recolectures, vous, dans le chat? N'hésitez pas à m'interpeller, je m'arrêterai sur toutes vos suggestions. Donc Sayaka Murata. Combini, c'est vraiment là une, voire deux âmes en peine. Ça décrit un petit peu cette espèce de quotidien au Japon, à la fois répétitif et monotone, dans lequel finalement les âmes n'ont pas vraiment d'existence propre. Et ça décrit, enfin, c'est pas un roman avec une trame, un rebondissement, c'est vraiment un moment, une tranche de vie de deux personnes qui gravitent autour de ce Combini. Et c'est si vous voulez retrouver voilà une tranche de vie japonaise du 21e siècle avec tous ses travers, ses défauts parfois, effectivement, de l'effacement de la personnalité, tout ça, Combini peut l'être. Dominique Sona, Combini disponible en poche sous le nom magnifique de la fille de la supérette. Bon, c'est moins sexy, effectivement. Là, on est sur l'édition, on est chez De Noël, c'est ça? Ouais. Et avec une très 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 belle photo de c'est Naoya Atakeyama, qui était exposée, je crois, à la Maison de la Culture du Japon pour l'exposition Cosmos Intime. J'adore les photos de Naoya Atakeyama. Je connais pas son nom par cœur, pardonnation. Donc j'imagine que c'est j'ai piqué le Dominique Sona, l'édition poche, peut-être, non? De Combini. En tout cas, voilà, une belle tranche de vie. Une belle tranche de vie japonaise que je vous recommande. Est-ce qu'on resterait pas sur le Japon? Ah, Tempura, Loïc Hasson. Tempura. J'ai le numéro 3 derrière moi, Dominique Sena, que je dois commencer. J'ai vu qu'ils sortaient leur quatrième article sur. Leur quatrième journal, leur quatrième numéro, pardon, sur les croyances. Attendez, il est là. Bon alors, avant d'arriver à Tempura, ah, il faut que je vous montre ça. C'est un l'histoire de l'art en manga chinois, si je ne me trompe pas. Ah. Est-ce que Dominique Sona, tu me parles là du troisième Tempura sur Naoya Atakeyama? Celui-ci peut-être, voilà, qu'on m'a généreusement prêté. Les Japonais face à leur nature. Voilà, Tempura. C'est le premier, je crois que c'est le troisième numéro. Ils réussissent globalement à conclure leur campagne. Tempura Nature, oui. D'accord. Je te remercie. Bon, bah, il faut que je lise ça. Alors voilà. Les grands esprits se rencontrent. Ce sont de très très belles photos. Ah, exactement. Je l'ai là. Je l'ai là. Je l'ai là. Je l'ai là. Tempura Nature. Naoya Atakeyama. Je ne sais pas s'il y a eu des grandes rétrospectives sur son travail photographique à Paris. Je l'ai vu la première fois à la Maison de la Culture du Japon, oui, pour l'exposition Cosmos Intime. Mais bon, voilà. Oui, donc, sur la liste de choses à lire, Tempura, je devrais recevoir Coco également, numéro 3. En tout cas, voici déjà celui-ci. J'ai vu chez Junko tout à l'heure.
Le numéro 4 sur les croyances. Bon, alors du coup, j'ai complètement bousculé mon. Enfin, en même temps, il n'y a pas vraiment d'organisation. Bon, allez, la minute. Philippe Ariès, L'homme devant la mort. Ça fait 2 ans peut-être que ce livre est sur mon étagère prêt à être lu et je n'ai toujours pas entamé sa lecture qui. Se décline en 2 volumes. Là, on est sur le temps des gisants. C'est écrit en tout petit, hein. Il faut s'accrocher. Et j'aimerais beaucoup m'y plonger dedans. Peut-être pas maintenant, parce que la période et le moral ne s'y prêtent pas. Mais Philippe Ariès, c'est L'homme devant la mort. C'est toutes les questions du rapport de l'homme, des hommes et des femmes face à la mort. Depuis, là, je pense que c'est depuis le Moyen-Âge, si c'est le temps des gisants, sur tout simplement comment la mort est sortie du foyer pour après s'isoler dans les hôpitaux, comment peut-être on est devenu beaucoup plus pudique vis-à-vis de ça, la mort dans l'imaginaire collectif. Voilà, donc j'aimerais beaucoup me plonger dedans, peut-être pas le meilleur moment en ce moment, comme les temps sont un peu compliqués. Mais en tout cas, je me le garde et je me plongerai vraiment dedans à un moment. Bon. Je suis obligé de montrer Daniel Arras, histoire de peinture. Alors c'est un peu la facilité de montrer Daniel Arras, mais pourquoi montrer Daniel Arras? C'est peut-être d'ailleurs l'un des premiers livres que je me suis procuré quand j'ai étudié l'histoire de l'art. Daniel Arras, il a ce don de parler d'histoire de l'art avec une telle aisance et une telle facilité que vous êtes tout de suite. Si vous avez une première approche vis-à-vis des beaux-arts, un peu décomplexée, et c'est peut-être la plus belle porte d'entrée pour aborder cette discipline qui peut parfois subir un peu une image élitiste. Et il a dans cette. Alors, c'est tiré d'émissions qui ont été proposées sur France Culture en 2003, c'est Histoire de peinture de Daniel Arras, pardon. Et qu'est-ce qu'il explore comme œuvre? Je sais qu'il explore il explore la Madone Sixtine de Raphaël, mais également le verrou de Fragonard, la Mona Lisa. Il y a les Annonciations. Daniel Arras a beaucoup travaillé sur la perspective, sur l'Annonciation. C'est si vous avez envie de bouquiner sur l'histoire de l'art, sans vous lancer peut-être dans une monographie d'un artiste, ou d'un auteur ou quoi que ce soit, ça peut être une première approche très intéressante sur le regard, sur la curiosité, sur c'est vraiment bien. C'est vraiment bien et c'est peut-être l'une des plus belles portes d'entrée pour l'histoire des arts. Si vous en avez une autre, une porte alternative, je serais ravi d'avoir votre avis. J'ai plus de place. Je vais vider les 3 bouquins qui sont sur une chaise derrière, comme ça je transvase cela et je vous en montre d'autres. Un peu d'histoire. Arlette Farge, Vivre dans la rue à Paris au XVIIIe siècle. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Arlette Farge, elle fait un gros, gros, gros travail dans les archives de la ville de Paris, dans les archives nationales, pour dépouiller des procès-verbaux, des plaintes, pour dresser un portrait, une cartographie de la vie à Paris au XVIIIe siècle. C'est parfois dur, c'est parfois très violent même, parce que. Et ça dresse un portrait de la ville de Paris, finalement, à travers uniquement des sources, mais qui sont criantes de vérité, finalement. Merci beaucoup, Jade. Jade Otarla, 654. Merci beaucoup pour ton abonnement. Je sais qu'Arlette Farge, je crois, a fait d'autres ouvrages sur les archives ou sur la vie à Paris. Mais voilà. La rue, sa violence anonyme, son opacité font peur aussi. Je suis assez d'accord. Et est-ce que j'ai une table de matière peut-être pour vous montrer un petit peu les. Enfin, ça montre à quel point la rue de Paris au XVIIIe siècle était différente de la rue d'aujourd'hui. On vivait littéralement dans la rue. Là où aujourd'hui on la traverse pour aller d'un point A à un point B, voire C. À l'époque, on avait pignon sur rue, et littéralement. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je suis dans la parenthèse histoire de l'art, toujours. Ça, c'est un petit clin d'œil. S'il y a des anciens camarades historiens d'art qui passeront sur ce direct, ou
ou sur la rediffusion sur YouTube. D'ailleurs, je suis très en retard là-dessus. Il faut que je mette les deux dernières vidéos qui sont la visite de Koudelka et le blind test un petit peu Animal Crossing. C'est quatre, alors il y a quatre manuels, j'en ai pris qu'un parce que c'est lourd, il y en a beaucoup. Mais si vous voulez avoir une approche de l'histoire de l'art un petit peu plus scientifique sans vous plonger également dans des ouvrages, des actes de colloque par exemple, vous avez ces ouvrages, Histoire de l'art chez Flammarion, qui sont découpés en quatre périodes, préhistoire, antiquité, Moyen-Âge, temps moderne et époque moderne, époque contemporaine, pardon. Et c'est vraiment un très très de quatre très bons manuels qui équilibrent judicieusement texte image avec des choses très sourcées et avec des plumes d'université de maître enfin, de maître pardon de maître de conférence que vous pouvez avoir à Paris 4, à Paris 1. Et moi j'ai pendant mes 5 années d'histoire de l'art j'ai énormément travaillé avec avec ces quatre ouvrages. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous s'il y a des amis historiens d'art dans ce live ce soir. Mais voilà. Si vous voulez vous y mettre, en tout cas en temps de confinement, si vous voulez cultiver un petit peu votre histoire de l'art, vous pouvez très bien vous plonger dans ces ouvrages de l'histoire de l'art chez Flammarion. Il y aura une petite session en juin, après ça va être génial. Et pour terminer cette chaise qui était derrière moi, est-ce que vous avez entendu parler des nuits parisiennes d'Antoine de Debecq? Merci pour les recos Histoire de l'art, je n'ai. Ah ben je t'en prie, Mélicris, il y en a quelques-unes encore qui vont arriver. S'il faut que je fasse un direct un jour consacré à l'histoire des arts, n'hésitez pas à me le demander. Je serais ravi de vous partager ces lectures qui ont été très inspirantes et très éclairantes. Les nuits parisiennes d'Antoine de Debecq. Les nuits parisiennes sont un monde à part. On peut, selon les époques, y jouer aux cartes dans les hôtels particuliers, avec les lettrés et les aristocrates. S'y afficher en dandy à l'opéra, dans les fêtes impériales, se griser dans la foule des boulevards, sans canailler. Enfin, c'est une cartographie de la nuit parisienne du XVIIIe siècle, donc depuis on va dire, le temps où les jardins du Palais Royal étaient des lieux peu fréquentables, jusqu'aux boîtes parisiennes du XXIe siècle. J'aime beaucoup cet ouvrage, j'aime beaucoup la façon dont Antoine de Debecq a traité la question de la nuit parisienne, parce que lui-même, je vous montre d'ailleurs à qui il dédie cet ouvrage, c'est très simple, c'est aux nuits que je n'ai pas dansé. Aux nuits que je n'ai pas dansé, c'est un peu l'état d'esprit que je pourrais avoir peut-être, qui est celui d'un noctambule, d'un oiseau de nuit qui n'aime pas la vie nocturne, en fait, ou en tout cas la vie nocturne de fait telle qu'on l'entend. C'est très 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 bien illustré, vraiment vous avez des peintures, vous avez des gravures, vous avez jusqu'aux photographies des fêtes actuelles. Je crois que de cet ouvrage est né je crois que de cet ouvrage est né une exposition à l'Hôtel de Ville de Paris, si je ne me trompe pas. C'est vraiment bien, pardon, c'est un très bel ouvrage qui est édité aux éditions Seuil. Et pour tous les amoureux des nuits parisiennes qui nous manquent, puisque quelle heure est-il maintenant? On n'est pas encore en couvre-feu, mais bientôt. Peut-être que certains regardent ce direct depuis le taxi qui les emmène chez eux ou depuis le métro. Alors, bon, il m'en reste encore un paquet. Je vais quand même continuer un petit peu parce que ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Alors, j'ai ça sous les yeux depuis tout à l'heure. J'ai acheté ça à Taïwan et je n'avais jamais vu ça. Je me suis rendu au Japon plusieurs fois, mais je n'avais jamais vu un manga japonais qui parlait de l'histoire de l'art sous forme de manga. Et il a fallu que je trouve ça à Taïwan. Alors, bon, bah, à moi d'apprendre le mandarin maintenant pour m'y mettre. C'est divisé en 3 volumes. Donc, vous avez là, je vois Raphaël, je vois Picasso. Alors, attendez, on va prendre la Renaissance par exemple. Vous voyez? Peut-être que certains parmi vous ici pourront traduire ces ouvrages. Là, vous avez littéralement. Alors, attendez, qu'est-ce qu'on va trouver? Je pense qu'on a Michel-Ange là. Alors, attendez, je pense qu'on est à Rome, là, vous voyez. Et je pense qu'on a l'inauguration de la chapelle Sixtine. Et là, le jugement dernier ici, peut-être, qui va être dévoilé. Alors, je n'ai jamais ouvert ces livres. Je les ai vraiment achetés pour garder ça auprès de moi.
Le rideau tombe. Bon, je pense qu'on est là-dessus en tout cas. Écoutez, voilà, je voulais juste vous montrer cette trouvaille. Et je vais parcourir plus en détail quand ma maîtrise du mandarin sera parfaitement assurée. Alors, Mélicris, tu nous parlais de Rocco, histoire de l'art. Là, pour le coup, j'ai abordé des choses relativement plaisantes à lire et à parcourir. J'ai avec moi le livre qui m'a peut-être fait le plus fantasmer pendant quelques mois, voire quelques années. C'est l'histoire du Louvre. L'histoire du Louvre. Alors, là, nous avons 760 pages. Mais oui, il y a deux autres volumes qui sont derrière. Que vous dire si c'est bah, l'histoire du Louvre depuis des relevés archéologiques qui témoignent de l'existence médiévale du palais du Louvre jusqu'à les projets à la Révolution, jusqu'à l'élaboration du palais de François Ier. Enfin, c'est un monstre. Ce sont des monstres, ces livres. Qui ont été bradés, enfin qui sont passés de 200 à 100 euros, je crois, c'est là où je me suis jeté dessus. Donc vous avez Hubert Robert qui trône en couverture. Hop, voilà Mélicris. Tac, tac. Enfin, ils prennent place dans un coffret. Hein, c'est l'instant téléachat et l'instant ASMR aussi. Bon, là pour le coup, c'est des ouvrages qu'on consulte ponctuellement. On ne se jette pas peut-être dedans de la page 1 à la page 760. Et le ton est vraiment beaucoup plus scientifique. Mais voilà, si on est adepte du Louvre, si on est adepte de l'histoire de Paris, de l'histoire des arts, c'est vraiment un ouvrage référence, je pense, et qui a mis des années, des années, des années à être publié. Donc je crois que le coffret. Ça doit représenter plus de 2500 pages, je pense, enfin des heures et des heures et des heures de lecture, doit toujours être à 99 euros. C'est aux éditions du Louvre, bien sûr, et Fayard. Si le Louvre. Alors, c'est pas la porte d'entrée la plus romantique, visuelle du Louvre. Mais si vous êtes familier et amoureux de ce musée, c'est indispensable. En parlant du Louvre, voilà, mais merci Mélicris. En parlant du Louvre, j'avais un Taniguchi, bah, il est tout en bas. Je vous montrerai peut-être après. Retournons au Japon. On est sur un catalogue d'exposition là. Voilà. Vague de renouveau. Je vous ai plusieurs fois parlé de la Fondation Custodia dans ses directs et notamment de leurs expositions. Vague de renouveau, alors j'achète rarement des catalogues d'exposition parce que c'est volumineux, c'est cher et il faut trouver le temps de les lire. Celui-là, j'étais obligé. C'était l'estampe moderne. Donc l'exposition Vague de renouveau, elle a eu lieu à la Fondation Custodia en 2017 ou 2018, je crois. Et elle présentait les estampes de 1900 à 1940. On est baigné de représentations de Hokusai, de Hiroshige, de. Et là, ah, donc tu l'as vu aussi, Mélicris. Ben voilà, moi c'est peut-être l'une des expositions préférées, l'une de mes expositions préférées à Paris. Bon, déjà, vous aviez de toute façon Komura Setai, qui est mon artiste préféré, je pense, toute époque et tout continent confondu. Mais quelle beauté! Enfin, c'était vraiment là des estampes que nous n'avions jamais vu, avec parfois des inspirations très occidentales, notamment inspirées de la Bretagne. Je crois qu'il y avait toute une école là-bas. J'aimerais vous montrer Setai Komura. Enfin, c'était alors d'une générosité, d'une richesse. C'était incroyable. C'était incroyable. Enfin, écoutez, je ne vais pas m'attarder sur cet ouvrage. Je vous souhaite vraiment de vous le procurer. Je crois qu'on est sur du Setai Komura, qui est d'une finesse dans le trait, c'est une composition si graphique. Alors attendez, peut-être qu'il arrive. Voilà. Là, vous avez mon œuvre d'art préférée. Hop, elle est là. Ici, cette estampe de. Alors, on est sur une. Voilà, Matin sous la neige.
Ah, voilà. C'est sublime. Et l'ouvrage est absolument super. Vous avez des essais, vous avez des fiches sur chaque artiste. Et donc c'était chef-d'œuvre du musée Nihon Nohanga de Amsterdam. Voilà. Si vous souhaitez vous procurer un ouvrage sur l'estampe japonaise qui sorte des rétrospectives ou des monographies de Hokusai Hiroshige, jetez-vous là-dessus. C'est vraiment un pan de l'histoire de l'art japonais du XXe siècle, condensé dans un très très bel ouvrage de plus de 200 pages, de plus de 500 pages même. Donc véritablement, je vous le recommande. C'est un livre que j'aime d'amour. C'est bien ambitieux tout ça. Quelle heure est-il? 19h38. Je m'arrêterai peut-être à 20h. Il en restera de toute façon. Je suis trop bavard ce soir. On parlait recommandations manga, je crois. Le bruit de la brique qui tombe sur le sol, oui, exactement. Un beau pavé, un beau bébé, Dominique Sena. Lourd le catalogue, et encore, il a atterri sur celui du Louvre. Voilà. Dr. Slump, je ne sais pas si vous connaissez. Vous connaissez probablement Dragon Ball. Bien, Dr. Slump, c'est réalisé par Akira Toriyama, juste avant Dragon Ball, qui est le manga qui m'a initié au manga. C'est drôle, c'est léger, c'est bourré d'inventivité, ça casse le quatrième mur à de nombreuses reprises. C'est l'un de mes mangas préférés. C'est Glénat qui édite ça, voilà, je crois. Et alors, DBZ, bah oui, ben non. Non, mais les crises, effectivement, mais la confusion est tout à fait légitime, puisque on a un dessin très similaire. Eh bien, alors, mais les crises, je te recommande vraiment Dr. Slump, ne serait-ce que le premier tome, c'est bourré d'humour. L'histoire, c'est un prof, qu'est-ce que je raconte? Un ingénieur, un inventeur qui va créer une petite un robot de toutes pièces, Arale-chan, qui a les traits d'un humain, d'une jeune fille. Et de là, il va y avoir plein de comiques de situations sur le fait que ce soit un robot, donc que ce soit une petite fille de 12-13 ans, je crois, mais qui a un corps de robot, qui a une force titanesque. C'est complètement barré. Quand le soleil se lève dans Dr. Slump, je crois, enfin, ne serait-ce que le soleil qui se lève, je crois, c'est propice à un gag. Et je crois qu'à un moment, le soleil est cuisiné dans un cup de nouilles dans lequel on met de l'eau, et puis le soleil se lève, et vous avez une espèce de tirade grâce au réveil express, je me réveille sans stress. Enfin, je sais pas, ça c'est peut-être un jeu des traducteurs, mais en tout cas c'était très bien traduit. Enfin, tout est prétexte à la blague, et dans les expressions des personnages, dans les situations complètement c'est un peu con, hein. Mais c'est génial, et vous sentez véritablement que l'auteur a pris plaisir à faire ça. C'est jamais graveleux, c'est jamais sale. Alors bon, il y a beaucoup d'allusions un petit peu parfois, un peu crado, mais c'est tout un esprit, et vous retrouverez dans Dr. Slump l'esprit des premiers Dragon Ball. Et d'ailleurs, si vous avez lu Dragon Ball, je crois que c'est dans le septième tome, Sangoku débarque au village Pingouin. Voilà, donc là vous avez Arale-chan, qui est donc le personnage principal. Vous avez par exemple le directeur qui a une tête énorme, qui ne peut pas passer les portes. Enfin, c'est complètement barré, c'est génial. Il y a une inventivité à chaque case. Par exemple, un personnage qui va mettre sa main sur la bulle d'un personnage pour pas que le lecteur voit ce qui est dit, parce que, bien évidemment, c'est une blague beaucoup trop grivoise. Bah, je t'en prie, Mélécris, et je serais ravi d'avoir un de tes retours si tu te plonges là-dedans. Là, on va retourner au lézard noir, pardon, la cantine de minuit. La cantine de minuit, c'est... comment vous le résumer? Mon restaurant est ouvert de minuit à 7h du matin environ. On le surnomme la cantine de minuit, mais pour certains, c'est plutôt la cantine de l'aube. C'est un style très dépouillé dans le dessin. Et encore, ça va. Là, c'est vraiment une ambiance qui nous manque terriblement et qu'on aime retrouver au Japon. C'est un petit
rade, un petit restaurant traditionnel comme on les aime, qui doit pas dépasser les 20 mètres carrés, où les clients s'installent au comptoir et vous avez le chef qui est ici, qui s'adresse tout simplement à eux en disant: que veux-tu? Je te le prépare, il n'y a même pas de carte dans ce restaurant. Et en fait, c'est des petites chroniques comme ça de vie japonaise, où ce sont des personnes qui se retrouvent dans cet endroit et qui se livrent sur leurs histoires, qui sont anodines mais bourrées d'humanité, et c'est superbe. C'est au Lézard Noir, il y a plusieurs tomes, je crois qu'on en est maintenant au cinquième. Et en fait, c'est un manga dans lequel on a envie de se plonger et de vivre, parce que c'est ça, c'est très 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 minimaliste dans le dessin, mais c'est encore une fois des tranches de vie là autour d'un. Oups, pardon, dans le sens japonais c'est mieux. Autour de la thématique du restaurant, c'est super. Voilà, une autre roco manga, Mélicris. Alors j'ai une masse tabac de livres qui se dresse devant moi. Gros gros coup de cœur, pardon, pour La Cantine des Minuit Posard. Ah ben, je suis ravi que tu partages cet avis. Et je n'ai que le premier tome, moi, tu vois, donc je vais devoir enrichir cette collection très bientôt. On va rester sur le Japon parce que j'en ai encore pas mal. Ah, dans la to-do list, La Cantine de Minuit, je pense que tu ne seras pas déçu, Mélicris. C'est vraiment quelque chose qu'on lit à tête reposée comme ça. Un ou deux chapitres, et c'est vraiment des ouvrages qui nous arrachent un petit peu de notre quotidien pour nous transposer dans quelques mètres carrés. Et on imagine très bien cette espèce d'ambiance tamisée, cette espèce d'ambiance un petit peu. Les nourritures de tabac froid, les odeurs, pardon, de tabac froid s'entremêlent avec les odeurs de nourriture. Enfin, et puis c'est ces âmes, ces personnes qui se connaissent pas, mais qui en même temps se livrent littéralement. Entièrement aux personnes qui côtoient ce restaurant, c'est vraiment bien. C'est vraiment, vraiment bien. Dans ma bibliothèque, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, on gravite un petit peu dans l'ère du manga, mais aussi de la pop culture, et du ramen et du kaiju, c'est Otomo. Otomo. Alors, ça, Otomo, c'est littéralement. La revue que j'aurais rêvé d'éditer ou de créer, c'est une revue qui parle pop culture japonaise, mais uniquement années 60, 70, 80. Le magazine est édité de telle façon que lui-même aurait pu paraître dans les années 80, c'est-à-dire que par la mise en page, par les fausses publicités, enfin, vous avez des publicités d'époque dans ce magazine, je vais vous le montrer, voilà, comme si ce dernier était sorti dans les années 80. Vous avez des articles sur Godzilla, sur le Vagabond de Tokyo. Là, vous avez sur Miyazaki, sur Matsumoto Leji, qui est mon mangaka préféré, celui de Papa d'Albator. C'est une très 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 belle revue, vous sentez que ça transpire la passion, vous sentez vraiment que les personnes choisissent leur sujet et en parlent avec toutes leurs tripes. Là on parle de Takeshi Kitano par exemple. Moi c'est le Japon, enfin c'est la période peut-être que j'aurais le plus aimé connaître dans ma vie, qui est l'ère Showa, donc le Japon des années 70-80. Et c'est une revue dans laquelle on a envie de se plonger littéralement et de... Ça vous transporte complètement. Ils en sont au cinquième numéro, je crois, maintenant, et il y a eu un hors-série sur Akira de Otomo. Et je vous le recommande chaudement. Je ne sais pas si les anciens numéros, ça c'est le premier, sont encore trouvables, mais sinon, vous pouvez en trouver chez Junko à Paris. Je sais que la Fnac le distribue. C'est édité par Okirama. Donc je pense que vous pouvez le trouver facilement sur leur site internet. Alors, Shinobi. Naoki Urasawa, donc c'est 21 Century Boy, je crois, hein, si je ne me trompe pas. Pardon. Je ne l'ai pas lu, moi. Je ne l'ai pas lu celui-ci. J'ai lu. Bah alors. C'est tout trouvé pour. Pardon. La transition est toute trouvée. Moi, j'ai lu le Taniguchi. Merci pour ton retour, Mélicris, sur l'ouvrage
de Naoki Urasawa, je ne sais même pas quelle est l'histoire au sein du musée du Louvre. Le musée du Louvre qui a une très très belle politique en termes de... avec leur partenariat avec Futuropolis, enfin, ils font des choses très 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 bien. Vous sentez que là aussi c'est fait par... j'ai eu la chance de rencontrer les personnes qui y travaillaient, c'est les personnes qui choisissent les auteurs, et c'est les personnes qui aiment les auteurs qui les éditent, ça c'est très important. Il y a encore trop de livres, j'en ai une vingtaine là sur mon bureau, j'ai été bien ambitieux, hein. Et je pense que je ferai ça en deux fois, mais en tout cas, non plus, je n'ai jamais lu 21 Century Boys, Mélécris A. Shinobi, Mélécris, avez-vous, donc c'était un peu laborieux parce qu'il était tout en dessous, il y en a encore plein, avez-vous lu Les Gardiens du Louvre de Jiro Taniguchi? Ouais, je pense que je vais le faire en deux fois, Mélécris, et donc je vais m'arrêter sur Les Gardiens du Louvre de Jiro Taniguchi. Donc, pas lui, Les Gardiens du Louvre. Alors, il est dans cette. Je crois qu'il est sorti en version manga, en version. Donc, dans le format et en noir et blanc, parce qu'ici, si je trouve la place, on est. Il faut que je travaille la configuration des présentations d'ouvrages. On est sur un. On est sur une ode à la contemplation, on est sur une ode à la flânerie, à la rêverie, et en fait, la rencontre Taniguchi et le Louvre, c'était peut-être effectivement le mangaka regretté qui était le plus à même à transmettre quelque chose sur le rapport qu'on peut avoir au musée du Louvre. Alors après, attention, il y a de très très belles planches au sein du Louvre, il y a de très très belles planches sur la contemplation, mais on a quand même un regard très japonais sur l'histoire des arts, et par exemple, je crois qu'on a du... Vous avez du Corot, vous avez du Van Gogh, oui, c'est ça, il y a la Van Gogh dans sa chambre. Bon, c'est pas très Louvre compatible, mais voilà, le Louvre est un petit peu le prétexte pour que ce flâneur un petit peu puisse aller à la rencontre des artistes. Je crois qu'on parle de... Je crois que le manga, enfin le manga, mais là qui devient monochrome pour parler de la Seconde Guerre mondiale et notamment de Jacques Jaujard. Pardon pour les petits coups dans le micro. Oui, donc là j'ai Van Gogh, je ne sais pas si vous voyez. Camille Corot. Il y a de très 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 belles, il y a de très très belles planches. Mais finalement, le Louvre s'efface assez dans ce récit pour un petit peu privilégier les rencontres Corot, Van Gogh, Jacques Jaujard. Bon, je vous montre un petit peu de Louvre comme ça, mais bon, c'est quand même une très 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 belle collaboration, et c'est une chance pour nous d'avoir pu mettre les mains là-dessus. Il va être... quelle heure est-il? 50. Bon, je vais mettre un terme à cette vidéo à 20 h, je le promets. Bah oui, l'œuf du couvre-feu, exactement. Il aurait peut-être été plus judicieux de commencer la vidéo à 20 h, en fait. Je m'en rends compte. Je n'en sais rien. Peut-être que je ferai la deuxième partie demain à 20 h pour voir un petit peu ce qu'il en est. Je ne sais pas. Un grand merci, Arnaud Rien, pour ton abonnement Prime. C'est le tout premier de cette chaîne et j'en suis très honoré. Donc, je te dis mille merci. Voilà, un grand merci, ça me touche beaucoup. Bonne idée 20 h. Il y a un concept là, Mélicris, sur l'heure du couvre-feu, l'heure des streams. Qu'est-ce que je fais les amis? J'ai un catalogue d'exposition, j'ai encore des bouquins sur le Japon, j'ai des romans graphiques, j'ai des bouquins sur des musées au Japon, j'ai un catalogue d'exposition sur un photographe japonais. Oh là là, beaucoup de Japon. Allez, au hasard, on va peut-être terminer sur de... allez, hop, The Art Lover's Guide to Japanese Museum. Un livre dans lequel je rêverais de vivre également, qui est un guide de tous les musées qui existent au Japon. Alors de tous, non, mais en tout cas de ce qui est... Alors c'est un livre en anglais. C'est un livre en anglais, je vais vous montrer quelques pages, qui n'est pas évident à trouver, mais qu'on peut trouver dans certaines librairies à Paris. Et voilà, privilégier peut-être ça à...
à Lonely Planet, si vous avez en tout cas envie de visiter des musées au Japon. C'est rangé par préfecture. Et bah, c'est des musées peut-être que vous n'aurez pas l'habitude de voir dans des ouvrages un petit peu plus généraux. Et c'est très très bien présenté, c'est très très bien illustré, vous avez les informations pratiques, bon, à remettre en cause là bien évidemment avec ces histoires de confinement. Mais j'ai découvert de très très bonnes adresses qui sont sur ma liste de choses à visiter au Japon. Hop, je vous le montre ici. Un très très bel ouvrage qui coûte assez cher je crois, mais qui est un très bel ouvrage. Je vais rester sur le Japon du coup pour terminer cette petite session. J'aime beaucoup le travail de Charles Frégé sur Yokai no Shima, qui est ici. C'est paru chez Actes Sud il y a quelques années déjà, 2-3 ans. C'est un travail photographique. Je ne sais pas si l'exposition est née du livre ou si le livre est né de l'exposition, mais c'est un très beau travail sur toutes les coutumes dans les provinces japonaises, dans les campagnes japonaises, sur ces monstres, ces yokai qui peuplent l'imaginaire japonais. Et c'est un très très beau travail photographique. Je vous le montre ici. Donc là, on est vraiment sur un très bel album. Et ce sont des très très belles de très 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 belles photos. Charles Frégé, on l'a vu dans pas mal d'expositions récemment, il me semble. Je crois que vous avez quand même. Alors, est-ce que c'est rangé par. Oui, préfecture de Niigata. Là, nous sommes à Kagoshima. C'est un très bel ouvrage. Célébration d'un bestiaire nippon. Et. Je vous le recommande chaudement. Je vous le recommande chaudement. C'est un très beau travail photographique. Et je vais terminer. Pour ce soir, sur allez le barreau d'honneur, j'ai encore plein de choses à vous montrer et en creusant, je pourrais vous en trouver d'autres. Je vous donne rendez-vous demain. Allez, tac, ça, je me suis procuré il y a pas longtemps. Il est sorti il y a un mois ou deux, je crois. L'architecture du futur au Japon, hop, utopie, métabolisme. Ok, Mélicris, le rendez-vous est pris. Merci en tout cas d'être resté pendant un peu plus d'une heure, ça me touche beaucoup. Merci à Arnorien pour ton abonnement, ça me touche énormément également, et toutes les personnes qui ont interagi ce soir. Voilà, encore une fois, donc, mon amour pour le Japon et le Japon des années 70 est un peu transparu dans ce que je vous ai montré, mais l'architecture du futur au Japon, c'est une étude extrêmement intéressante sur la production architecturale du Japon après-guerre. Et une production extrêmement inventive qui est amenée aujourd'hui à disparaître, puisque le Japon construit, déconstruit, détruit, reconstruit, a peut-être pas encore une conscience patrimoniale de ce patrimoine des années 60-70 au Japon, dans son pays, dans son archipel tout simplement. Et ne serait-ce même que la Nagakin Capsule Tower qui est ici, qui est un bâtiment emblématique du quart de Tokyo, pourrait être amené à disparaître. Et j'aime beaucoup un petit peu les causes perdues. Et c'est un ouvrage qui présente des bâtiments qui sont amenés à disparaître parce que on le sait. On le sait, et s'il n'y a pas des associations des défenseurs du patrimoine comme la Nagakin Capsule Tower qui se battent pour préserver les bâtiments, c'est des bâtiments qui tombent sous les coups des pelleteuses. Donc c'est un ouvrage extrêmement intéressant sur à la fois cette conscience patrimoniale d'une architecture et d'un urbanisme au Japon dans les années 60 et 70, mais également sur comment façonner un pays au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, un pays qui repart de zéro en fait, un pays dont certaines villes ont été complètement rasées, que ce soit Nagasaki, Hiroshima, mais même Tokyo, et comment on conçoit un mode de vie à partir de rien. C'est superbe, c'est superbe, c'est superbe, c'est superbe, et c'est un très bel ouvrage aux éditions du Lézard Noir encore. Voilà. Eh bien écoutez, j'ai encore plein de livres, mon appartement est sans dessus dessous, il y a des trous partout dans la bibliothèque, mais je sais pas, j'avais envie de partager un petit peu, d'explorer ma bibliothèque avec vous, pour se donner envie de s'évader, envie de lire, envie de se projeter dans des choses. Merci beaucoup Mélicris, merci d'être resté avec moi et avec nous ce soir. Eh bien écoutez, tentons demain.
un direct à 20h, si ça vous dit. On peut tester au couvre-feu, se donner rendez-vous pour explorer d'autres livres. Et n'hésitez pas à préparer des recommandations, même de vos lectures, les trois livres que vous avez sur votre table de chevet ou les livres que vous avez lus récemment. Je serais ravi même d'aller sur Google en même temps et de parcourir un petit peu vos lectures et testons. Et c'est le mot d'ordre de cette année 2020 et de cette année 2021, Mélicris, testons, expérimentons, on verra bien ce que ça donnera. En tout cas, je me suis beaucoup amusé. Et encore une fois, merci beaucoup Dominique Sonna d'être resté parmi nous. Merci Arnaud Rien, merci Mélicris. Je vous remercie du fond du cœur et je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et à tous. Bonne soirée.